Bonjour, frère Maxime, comment nous? C'est JFL Cuisine Créole, Jean Fédor lundi, votre chef à la maison qui est à la caillou. Moi, dis-nous merci pour bouche à l'oreille nous faire pour moi. Merci parce que nous continuons à suivre moi. Merci pour fidélité nous. Je dis à la m'balle faire un petit spaghetti pour nous. Je voulais cuisiner. Ok? Même pas pour faire assez de spaghetti pour monter nous, mais acheter spaghetti fait, m'a monté nous faire pâte spaghetti aujourd'hui. Pour moi, faire pâte spaghetti fraîche là, mais ça me besoin. Besoin farine, sel, l'huile, œufs. C'est tout. Moi, besoin 500 g de farine. Pour qui ça me baille en grammes, c'est parce que c'est simple. C'est 100 g égal à. Ainsi, moi, besoin 5 œufs entiers. Et puis, moi, besoin une petite cuillère de sel. Moi, mettez une petite cuillère de sel là-dedans. Et puis, moi, je prends 100 pour mesurer parce que c'est important pour nous mesurer. Je mettez 2 cuillères de l'huile. Qu'on a là, moi, à brasser avec celle-là pour le cafon. Une fois. Celle-là bien fond. Mais fontaine dans là, moi fais une fontaine dans 3 tasses et demi. Moi vide les là-dedans. Là, moi prends pointe main, moi. Pointe main ici là, moi vais commencer à mettre là-dedans comme ça. Pour ne pas vider, pour ne pas renverser là. Essayez pour être toujours arrivé fin, mélanger le complet avec pomme de la main, avec tissage. Voilà. Qu'on y a là, on a avec. Plat mi-temps meilleur qu'on a là, c'est lui-même nous allons prendre pour nous faire comme ça. Ok? Le fait que vous êtes arrivé brasser avec juste pomme, non, avec dit là, pas sale, dit tout propre, qu'on a là bien facile pour mélanger pâte là. Nettoyez petit table là, m'enlever petit sac collé, mais tout poil est là-dedans, hein, parce que c'est pour l'huile. La cuisine, ça prend de la patience, hein. Ok, et voilà. Après 8, 9, 10 minutes, je vais tourner le même comme ça, retourner, réenvelopper, qu'on est assez prêt. Qu'on a la main virée, je vais mettre une serviette humide là-dessus, et puis je vais quitter le reposer minimum 1 heure de temps. Mais on va quitter le reposer 2 heures, ok? Mais minimum c'est 1 heure. Après un bon 2 heures, même venir avec pâte là. C'est normal. Ok? Qu'on y a là, moi je vais rouler pâte là. Ça, c'est les mêmes spaghetti à là, oui. Mais qu'on a vraiment dit nous très important là. Il y a une machine. Hein? Sous passer ça la machine là, regarde, simplement saupoudrer ta boîte. Qu'on a là, difficile pour moi rouler là. La plus lourde. Qu'on a ma contingent pesé là un peu. Mais si toutefois tu as une machine là pour rouler là, on est mettre là-dedans et puis les rouler et puis la vienne fin et puis qu'on a pour couper les gens besoin de couper là. Qu'on a à commencer à rouler. On va le gourmand en pile là, hein, son pâte qui prend en pile temps pour rouler parce que c'est à la main à faire. Parce qu'il faut rouler le mess, OK? Ça fait au moins un bon 25 minutes ma poule là, ok? Un bon 25 minutes, malgré ça ici, là, nos petits jantons ils font toujours. Ma continue encore davantage. Waouh! Très belle pâte réussie, ok? Yeah. On a ma coupé pâte là en deux. Mes pâtes là, elle finit là. Regarde. Moi, pas pour le taille bien, ok? Parce que ma pour tout tirer taille, je n'ai pas besoin de faire perte. Moi, ploie elle. Côté m'a coupé là. Parce que m'a pas de machine qui peut couper là. J'en qu'on habitué là. Allez dit, pas de longueur ça. Ça. Non, mais tout pas de spaghetti ou à manger, c'est comme ça vous fait vraiment. Hein. C'est soit de mauvaise qualité ou bien c'est comme ça. Sauf que moi-même là, moi fais fraîche. Là, j'aime besoin de balayer, mais mettez là. M'a besoin de faire un gros. Spaghetti m'a fait tout mess. Ok, maintenant qu'on a là, mes pâtes là, qu'on a fait une coupe, qu'on a même à peine juste ouvert. Regarde. Moi, je voulais Noël, c'est pour cette raison pour ensemble pour m'ouvrir comme ça. Regarde. Ok, mes pâtes là, c'est fini. Maintenant, okay, belle bareille. Ok. Qu'on a pour me cuire là, m'a cuire même genre avec. L'eau cuit ton spaghetti. Dans de l'eau bouillie, avec sel, 7-8 minutes, c'est prêt. On a mis dans de l'eau bouillie.
Mais deuxième partie pâte là, moi bien fait, moi bien arrangé. Là, je vais commencer sec, ok? Je te dis nous ça déjà, t'as l'air, mais je vais finir nous toute explication. Donc, vous même qui en Haïti, ok? Là, on fait pâte ça comme ça, on prend un fel, on met le dehors à la soleil, là, on est en quelque part. En quarantaine de minutes déjà après, ça va être sec. Regarde, là, je vais commencer sec, là, regardez, je vais commencer à être bien droite, bien ferme, ok? Allez, dis, c'est juste comme ça, ou bien étalé, et puis voilà. Et pour tout faire des spaghettis, et puis voilà. Dans des spaghettis, on va nous bras en Haïti. Avec ça, nous sommes capables de faire. Qu'on va continuer là-bas, qu'on va faire cuisson. Et puis, on va commencer à faire assiette pâte fraîche pour nous. Comme ça, on regarde, on vérifie si cuisson en fait, même avec n'importe quelle pâte. À bon 7 minutes, 8 minutes, comme ça, c'est prêt. Mettez de l'eau froide sous les mouilles, froide d'un peu, ça veut dire pour m'arrêter cuisson. Ok? Je vais venir avec pour nous. Mais pas de moyen là. C'est correct là. Je vais laver là, je vais retirer, je vais refroidir. Regarde, c'est parfait là. La même chose que n'importe quel spaghetti, sauf que les mêmes frais, les fraîches. D'accord? Qu'on a là, je vais faire la cuisine pour nous. Ok? Je vais faire deux spaghettis pour nous là. Ok? Je vais faire une avec aransor et puis une avec viande. N'importe quelle viande nous voulons. Pour me faire spaghetti là, fraîche là pour nous, je mets ton petit l'huile, mets ton petit oignon. Premier spaghetti, je vais faire un petit classique haïtien pour nous. Une fois que l'oignon est bien sué, je mets un an. Cuisine son passion, li, ok? Même la carte que nous avons fait à manger pour nous, nous avons besoin de faire un ton de spaghetti en même temps. Ou nous avons fait deux ou bien une en même temps. Et pour mettre dans la tête, pour tout le monde. Là, je mets ton petit légume. Considérez c'est n'importe quel légume ou gagne la carotte cuit. Par exemple, si c'était poivron, nous même haïtien nous aimons poivron beaucoup. Qu'on a mis un petit l'ail. Qu'on a mis tomate, un petit poivre. Qu'on a une fois qu'on a bien caramélisé ça, tout goût nous vient dans là, qu'on a mis des petites pâtes fraîches là. Ça c'est pour une personne. Et voilà. Waouh. Waouh. Comme il y a là, je mettais un petit pot piment bouc. Petit pot piment bouc là, je retire le grain. Et puis je prends pour bien émincer, je mettais. Et puis je mettais un petit persil haché. Une fois que je mettais ça, je diminue le volume là, je mettais la carte. Qu'on a là, je quitte le goût à rentrer encore davantage. Waouh. On a mis un petit huile d'olive encore pour finir. Qu'on a là, pas oublier, nous avons tout tomate là qui s'est trouvé là-dedans. Tomate là, crasé là-dedans. Avait dit, tomate là, elle pote du goût. Pour, tomate là, elle pote couleur. Elle pote tout là-dedans. Un paquet de bagages, on va mettre là. Ok? Qu'on a là, moi ferme. Une fois qu'il me ferme, qu'on a dit prêt pour mal manger. Tomate, moi, t'es mis à craser. Qu'on a regardé. Mettez des trois petites tomates. Et toi, petit morceau de tomate bien frais là-dedans. Qu'on a tomate, ça pas craser encore. Et puis, qu'on a là. Tout présenter devant nous là. Tiens, go. Waouh. Qui est-ce qui peut dire manger ça pas bon? Sauf mon qui va contre faire manger. Puis, tout font une petite présentation, mettons un petit concombre. Simple, simple, simple. Qu'on a là. Pour me présenter ça, je juste mettre le petit assiette de même. Et puis, je vais le comme ça, je mettre cuillère, mettre fourchette à côté là, et puis, je vais le bailler. Une fois que l'huile est bien chaud, je vais mettre la viande là. Quand je vais mettre les oignons, qui vient de mettre là? Quel que soit la viande, ou tenez du filet, ou qu'à mettre. Filet mignon de porc, filet mignon de bœuf, filet de poisson, tout filet ou qu'à mettre là. Deux assiettes préparées pour nous. Hein? Et une pâte fraîche. Je fais bon spaghetti avec. Nous qu'à conserver. Ok? Je dis nous merci parce que nous faisons confiance. Ou même qui a regardé pour la première fois. Vous pouvez juste abonner. Et puis partager. Et puis sur mes petites vidéos, mettre like pour moi. Ok?